Et salut les amis! Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va nickel les potes. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'ouverture de cette superbe display Star Étincelante. Tout de suite je vous montre parce qu'on avait eu dans les premières parties, alors je vous mets dans l'ordre entre guillemets de mes préférences. Bon là voilà, les deux TG je les préfère autant l'une que l'autre. Donc la Krabos VMAX qui du coup n'est pas une alternative, hein, voilà, c'est une VMAX normale, mais en soi, bon bah c'est toujours une VMAX, ça fait plaisir. Les deux TG qui sont vraiment magnifiques, la sauvegarde de rose en rainbow, ça fait ultra plaisir. La farfa du VVMAX, bon, c'est Vestar, pardon, c'est une Vestar, mais je l'ai déjà eu mille fois, et puis bah voilà, 3 V qu'on avait eu dans les boosters, quoi. Donc ça fait envie, sachant que j'ai enlevé les holographiques, hein, comme je vous l'ai dit, j'enlève les holographiques, que je compte pas vraiment comme des hits, même si ça fait toujours plaisir. Donc de vrais hits, entre guillemets, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai compté. Non, je sais pas compter, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc en vrai, 8 en 24 boosters. Ça fait donc 1 sur 3, voilà. Parce que moi je suis très mathématicien, donc si vous voulez, voilà, je sais compter plutôt de façon efficace. Du coup les amis, on se retrouve pour la dernière partie de l'ouverture de la display. Donc comme d'hab, on trie, vous commencez à être habitué. Tac, tac, tac. Donc en fait, ça veut dire qu'on a à chaque fois le même nombre d'illustrations dans les displays. Donc tant mieux, en même temps, c'est-à-dire que c'est toujours... voilà... bien distribué entre guillemets, sachant qu'en plus dans les premières ouvertures, dans la première ouverture, rappelez-vous, on a eu de la chance beaucoup sur les farfas du V, enfin en tout cas c'est là où il y a eu le plus de hits, donc voilà, espérons que ça continue comme ça. Voilà, là c'est la dernière ligne droite, il nous faut du Dracaufeu, sincèrement là j'en veux, j'en peux plus de pas en avoir. Donc le code comme d'hab, et puis c'est parti. Ah bah voilà, tu vois, ouais. Je vous disais dans la vidéo la fois dernière que c'était assez rare le truc Vestar. C'est la troisième fois pour l'instant que c'est vrai que c'est plutôt... pas commun, quoi, voilà. Donc, assurance échec, Luxio, Capoeira, Chacripan, Skelenox, Farfuré, Ekrapins, Magmar, Ordre du Boss en rare reverse, ouais. Et on commence tout de suite avec une V qui est un peu moisie, mais qui est une V, donc on ne va pas s'en plaindre. Hydragon V, voilà. Bon, c'est un dragon, ça fait toujours plaisir. C'est sûr que c'est pas le meilleur. D'ailleurs, je le connais même pas, ce Pokémon-là, pour être tout à fait honnête avec vous. Je sais même pas dans quel jeu ou quelle extension il est. Bah, forcément, depuis Épée Bouclier, puisque ça fait partie de l'extension. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, non, peut-être pas, en fait, ça peut venir d'avant, je suis bête. Ça veut pas forcément dire qu'il vient d'Épée Bouclier. Donc, le code... 1, 2, 3, 4. Je vous avoue que c'est pas la V que j'attends le plus, hein. Si je pouvais avoir du Dracaufeu, ça m'arrangerait bien plus. Énergie Psy, Tropius, Kaorin, Fourbelin, Étourmi, Riolu, Carabang, Mélofée, Seribou, Charmilly en rare reverse, et un Maganon, qui est, je le rappelle, une carte absolument magnifique, avec le petit Hélécable derrière. Ou alors c'est le Hélécable? Ah non, c'est peut-être le Hélécable qu'on a vu, et à chaque fois on avait le Maganon derrière, je sais plus. Mais en tout cas, la carte est vraiment belle, ça reste une rare simple. Mais en soi, c'est vraiment, vraiment une belle carte, je trouve. Voilà, c'est mon avis personnel, bien entendu. Bon, bah, tant pis, celui-là, il est moins bien ouvert que les autres. Le code, tac. Oula, j'ai failli faire une connerie. 1, 2, 3, 4. Enfin, une connerie, non. Voilà, on aurait eu la rare avant la fin, mais bon. Énergie Feuille, Barista, Incisache, Carmache, Balbuto, Chinchilou, Stalgamin, Tarinor, Deden, Tadmorve, en... Reverse, pardon, et on a une V. Galeking V, ça fait plaisir. J'adore ce Pokémon, Galeking, bah voilà, c'est la deuxième génération. C'est la deuxième génération d'ailleurs, Galeking, ouais, je crois. Hein. Je crois. Donc moi, ça me fait plaisir, elle est belle. Franchement, elle est sympa. Bon. C'est des V simples pour l'instant, mais en soi, c'est toujours mieux que les holographiques. Hein. Je trouve. Ça dépend lesquels, remarque, parce que la sulfure holographique, elle est vraiment jolie, donc ça fait toujours plaisir. Et ouais, ça fait plaisir. C'est du truquette, c'est parti, Energio, Bassin de Magma, Colomarche, pourquoi je fais ça, Hyperbole, Spiritomb, Chenity, Grimalin, Starry, Crémy, Chenizel en rare, River Tami, je sais pas ce qu'ils ont avec Chenizel en rare. Hein. Oh, une Vestar, s'il vous plaît. Farfaluvé, je t'en supplie, ne sois pas là. Franchement, deux Farfaluvé dans la même display, ce serait abusé. Mais c'est peut-être une VMAX d'ailleurs, plutôt, c'est peut-être une VMAX... Ok, c'est une VMAX. Mimiki VMAX. C'est une VMAX. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est une VMAX.
C'est mieux qu'une rare simple. C'est mieux qu'une holographique. C'est mieux qu'une V. Mais c'est Mimiki. C'est Mimiki, putain. Allez, là, le code pour vous, on voit les boosters à gauche, c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on ouvre des boosters ensemble. Putain, mais énergie combat, noix de coco, gants de chasse, je crois qu'il y a quelque chose encore, Zimoré, Caraclé, Écrapince, Gringolem, et Oko, Wistikram. Ah, mais c'est une TG! Oh, ouais, putain, elle est trop belle, les gars, Chifourse. Oh, ouais, elle est mortelle, en vrai. Putain, je savais pas qu'il y avait des TG VMAX. Mais les gars, c'est incroyable. Et Ordre du Boss en holographique. Putain, elle est méga stylée, par contre. Elle est méga stylée. Ah ouais, elle fait trop plaise. Donc, on a eu pour l'instant 3 TG. Bah, c'est bien, on a eu une TG dans chaque partie de l'ouverture à la display, donc c'est cool. Là, on attaque... non, on est sur le dernier Shaymin, là. Enfin, pour l'instant, les gars, l'ouverture est assez incroyable. Hein. On a ouvert, donc là, c'est le 6ème booster. On a eu 4 hits, pour l'instant, en 6 boosters. Le code, il est pour vous. 1, 2, 3, 4. Ok, on a encore un truc V-Star. Boscara. René, ouais, j'ai bugué parce que je pensais que c'était la rare, mais en fait non, enfin elle est rare quand même, elle est très rare même. Clic, Polarume, mais j'étais sacrément bien étonné, de façon positive, donc c'est cool. Canartichaud, Neuneuf, Tadmorve, Fierté de Rosemary en reverse peu commune. Et derrière on a un Clic-Tic en rare simple. Clic-Tic, Clic-Tic, Clic-Clic-Clic-Clic-Clic. Bon allez, encore 6 boosters les gars, on peut encore aller choper du Dracaufeu. Bon, en soi, même si j'ai pas de Dracaufeu, je vous cache pas que je serai quand même... Putain, qu'est-ce qui se passe avec ce booster, là? Waouh! Regardez. j'ai décollé le code pour vous. Tac. 1, 2, 3, 4. Ouais, comme je vous disais, dans une... Je sais plus si c'était la première ou la deuxième partie de la display, j'ai plein de boosters de tout type sur le jeu en ligne Pokémon JCC. Donc je pense que je ferai une ouverture ouais, numérique, ça peut être stylé en vrai. Itourmi, Balignon, Chinchidou, Carabingue. Oh, Loclas en rare reverse, ça, c'est pas mal. Et un petit Kershakrock en holographique rare. Oui, forcément, si c'est holographique, c'est rare. On l'a déjà eu, je crois, plusieurs fois hein, celui-là. Mais bon, il est pas mal. Enfin, c'est un Pokémon, encore une fois... assez apprécié, donc en vrai, voilà, enfin, moi je l'aime bien aussi. Hein. Je vous avoue que dans Pokémon Diamant et Perle, du coup je les avais pas fait moi sur DS, donc je les ai fait sur Switch. Le combat à la fin contre Cynthia, il est vraiment hard. Hein. Enfin moi je l'ai trouvé hard. Donc je vous avoue qu'il m'a un peu dégoûté sur ça, mais en soi, à utiliser dans son équipe, ça reste un Pokémon très cheaté. Énergie Feu, Casque Marmite, Prémonition de Margie, Fourbelin, Chenity, Caraclé, Seribou, Riolu... Et Tourmi, Clic-Tic en rare reverse, ok. Et Touraptor en rare simple. C'est dommage, je suis en rare simple et Touraptor. Pareil, c'est un Pokémon que je kiffe à mort et Touraptor, il est stylé en vrai. Mais bon, c'est une rare simple, donc on a vu mieux quand même que ça. Oula. Le dernier Arceus que je viens de déglingax. Oh merde. Je me suis encore fait avoir. Donc je vous montre le code sans vous dire bien entendu la couleur. Ça peut être du noir, ça peut être du blanc. Qui sait, à part Dieu, à part là-haut, personne ne sait. La religion n'a rien à faire dans cette vidéo, je suis désolé. Énergie, Ténèbres, Pachmia, Mustéflo, Gant Purifiant, Grimalin, Morpheo, en plus je suis pas du tout... bon bref. Wistikram, Balbuto, Coupe-Note, Chapignon en rare reverse... Papilord, ok. Papilord en rare, quoi, putain de merde. Je dis trop de gros mots aussi, ça franchement, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Les gars, on attaque les trois derniers, les Dracs. Les Saint-Dracs. Bon, bah, on n'a pas eu de chance, enfin, pas eu de chance. Je me comprends. Quand je dis pas eu de chance, c'est que j'aurais bien aimé avoir un petit Dracaufeu, même en V. C'est pas fini, on peut encore en avoir, hein. Mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Donc j'espère que là, on va se rattraper sur les derniers boosters. 4. Mais en vrai, j'aurais bien aimé en avoir au moins un, quoi. Énergie, je sais même plus. Stade en ruine, Luxio, Cryptero, Mustéboué, Brutalibre, Judocrac, Magmar, Starry. Oh ! Oui ! Oui, monsieur, là, les petites évolues en TG. Oui, monsieur, putain, deux TG, là, du coup. Ouais, ça, c'est une TG, hein.
Et derrière, forcément, on n'aura rien. Une TG. Ah ouais, elle est stylée, la petite Evoli, là. Mais je kiffe trop les TG, parce que bah déjà, c'est des full art. Et puis, je sais pas, les dessins, ils sont vraiment grave bien, quoi. Sincèrement, c'est une vraie réussite, je trouve, ces TG. Là, franchement, le Chifours, il est incroyable. Hein. Franchement, là, pour l'instant, la troisième partie de l'ouverture est... Ouais, je dirais... ouais, peut-être pas la meilleure. Je pense qu'elle vaut la première, mais il y a deux TG, donc ça fait toujours plaisir. Hop, le code. 1, 2, 3, 4... Énergie électrique, ami de Galar, Starinorm, encouragement de la team Yel, Spiritomb, Chakripan, Crémy, Lixi, Gringolem, la petite Rare Reverse recherche professorale. Oh non, Chenizel rare. Mais non, Chenizel quoi. Mais non, Elustique. Et Lilon, tu déconnes. Putain, il reste plus qu'un booster les gars par contre. Oh, on n'aurait eu aucun Dracaufeu dans la display quoi. On a eu une Rainbow. C'est pas ma préférée, je ne le cache pas. Mais je veux pas cracher dans la soupe. Ça reste une Rainbow. Le code, le dernier pour vous. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon. Energio, Cryptero, Ceinture Choix, Pachirisu, Tarinor, Stalgamin, Tic, Deden, Polarum. Cryptero en holographique, reverse peu commune, et les amis, la dernière carte de cette ouverture Star Étincelante, en tout cas de cette display Star Étincelante. Oh non, on finit sur une rare simple trop chaud donc. J'aurais eu aucun Dracaufeu, aucun, dans toute la display. C'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir un, hein, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Par contre, voilà, on a eu des cartes magnifiques, là, sincèrement. Bon, le Mimiki VMAX, c'est un peu comme le Crabo, c'est pas mes préférés, mais en soi, je vais pas cracher dessus. On a eu les deux TG, la Evoli, elle est incroyablement magnifique. Le Galeking, il est plutôt sympa, voilà, la Hydragon, bon, c'est pas mon préféré, mais voilà, ça fait quand même... En soi, tu vois, avec tous les hits qu'on avait eu, ouais, j'enlève du coup ça, parce que je le compte pas dans les hits, mais en gros, ça fait quand même... j'avais dit 8, je crois. Ouais, 3, 6, 8... 8 et 5, ça fait 13. Donc en vrai, 13 hits sur 36 boosters, ouais, ça fait 1 sur 3. Donc en vrai, je vais pas me plaindre, parce que y a des gens qui ont eu beaucoup moins de chance dans leurs ouvertures. Donc en vrai, tu vois, je suis quand même satisfait. Sincèrement, je suis quand même satisfait des cartes. Après, je vous cache pas que si vos Dracaufeu vous intéressent pas, moi, je suis prêt à les échanger contre des cartes que j'ai eues dans ces displays. Donc bah, dites-moi ce qui peut vous intéresser contre des Dracaufeu, et puis voilà. En tout cas, les amis, comme d'habitude, je vous observe. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, les amis. Ça, c'est que comme ça qu'on va évoluer. Il n'y a que comme ça qu'on va y aller, qu'on va aller chercher du Dracaufeu. Parce que plus il y aura d'abonnés, plus j'achèterai de cartes, moins je serai ruiné, parce que bah c'est un peu... voilà. Et puis, plus il y aura de chance d'avoir du Dracaufeu et d'aller chercher du hit à mort. Donc, les gars, abonnez-vous. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça prouve que voilà, vous aimez ce que je fais. Même si je révolutionne pas le monde, je révolutionne pas l'ouverture de cartes, c'est sûr que je suis pas le premier et pas le dernier à le faire. Mais voilà, si vous aimez comme je suis, si vous aimez ça, bah, voilà, lâchez un pouce bleu. Bah écoutez les amis, en tout cas je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous aurez de la chance aussi dans vos ouvertures. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.